Cher petit père, cher petit maman, aujourd'hui est un grand jour. Nous allons partir dans la jungle à la recherche de mes parents et d'une mystérieuse cité perdue. Voilà, j'ai tout recopié. Mais bien malin celui qui saura déchiffrer les signes de l'anaconda. Ne t'en fais pas, Tanette. Je suis sûre qu'avec cette carte, nous avons une chance d'arriver au but. Allez, les enfants, dépêchez-vous si vous ne voulez pas rater la découverte de la fameuse cité de Mamandilo. On arrive! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous nous voulez? Je te présente les Talina, de charmantes Amazones, capables de te faire perdre la tête, si tu vois ce que je veux dire. Nous venir en paix. Nous avoir eu accident de bateau. Pourquoi Long Museau nous parle ce langage débile? Je croyais que... Que les Talina sont idiotes. Le rat a pris un coup sur la tête, on dirait. Suis-nous, on va te soigner au village. Tu sais, Titom, ton père était un doux rêveur. Il s'était mis en tête de trouver dans la forêt un endroit où tout le monde aurait pu vivre en paix. Oh, c'est une idée formidable. J'espère qu'il a réussi. Mais toi, pourquoi tu n'es pas parti avec eux? Moi? C'est que... je sais pas. Je te raconterai plus tard. Regardez! On arrive sur le territoire des Talina. J'ai jamais rien vu de pareil. Drôle de façon de nous souhaiter la bienvenue. Des Talina? C'est comme des ananas, ça se mange? C'est plutôt toi qui pourrais être revenu. Ce sont de farouches guerrières, à ce qu'on dit. Oh! Si on m'avait dit qu'un jour je piloterais un bateau dans la forêt, j'aurais appris à grimper aux arbres. Oh, à mon avis, capitaine, c'est peut-être le moment d'essayer. Oh, regardez là. Mais ce sont les Talina. Elles nous tirent dessus. Là, il y en a partout. C'est d'une embuscade. Ça va secouer dans les cocotiers. Baissez vos têtes si vous voulez garder vos scalps. Capitaine, attention! Nom d'une sardine grillée! Ne bougez plus! Victoire, le monstre volant est mort! Et on leur dit qu'on nous attend ailleurs. Oh, regardez! Il n'y a que des guerrières. Bashkimili avait raison, nous sommes dans une tribu d'Amazones. Bonjour, je m'appelle... Titom, comment on se retrouve? Tu ne pensais pas que j'allais disparaître sans donner de nouvelles? Barcarin, qu'est-ce que vous faites là? Surprise! Alors, c'est vous les avaleurs de Talina? Hein? Vous êtes un peu maigrichon. Quoi? Des avaleurs, mais pas du tout. On est venu ici en amis. Ne les écoutez pas, grande chef. Leur langue est fourchue. C'est toi le menteur, Barcarin. Et qu'as-tu fait de ma barge? Misérable rongère, ta barge et mon embarcation, espèce de voleur. Je vais t'aider à retrouver la mémoire, moi. Je ne veux plus vous entendre, tous les deux. Allez chercher la grande Chamanou. Chamanou connaît le secret des plantes et du breuvage qui dit vrai pour faire parler les étrangers. Ah, voilà grande Chamanou. Les étrangers vont tous boire le breuvage qui dit vrai. Si vous mentez, vous mourrez. On n'y voit rien sous ce masque. La grande Chamanou ne tient pas debout. Maintenant, plus de breuvage qui dit vrai. Ce masque, c'est bon pour les cérémonies, mais pas pratique pour marcher. Grande Chamanou ne voit ni esprit ni rien du tout avec. Reste juste assez de breuvage qui dit vrai pour deux étrangers. Alors, qui n'a pas peur de parler? Qui boit d'abord, toi? Moi, je veux bien.
Il est fou! Titom est fou! Et si c'était du poison? Que viens-tu faire sur le territoire des Talina? Nous sommes à la recherche de ma famille et de la cité. Une cité blanche. L'esprit caraïbe nous a conduits jusqu'ici. Quoi? L'étranger connaît la cité de l'esprit caraïbe? Il dit la vérité, oui. Esprit caraïbe très sacré, à toi maintenant. Je crois que c'est à toi qu'il parle. Oh là! Mais j'ai rien à dire, moi. À ton tour, bois. Attention, le gros rat s'enfuit. Désolé, mais je suis pressé. Ne le laissez pas s'échapper. Là, c'est compris. Les rats menteurs n'iront pas loin. Oh, c'est ta tribu qui fabrique ces jolis nœuds à cheveux. Oh, s'il te plaît, tiens, je te le donne. Oh, trop chouette. Tiens, c'est pour toi. Oh, trop joli. Ah, mais je rêve. Voilà quelle part de chouchou en pleine brousse maintenant. Le poulpe râleur doit se dépêcher. Ses amis attendent pour partir. Allez, poulpe, remue-toi. Je vous présente Séperina. Elle va montrer le chemin aux étrangers qui disent la vérité. La jungle n'a pas de secret pour Séperina. Regarde, je crois que cette carte nous indique le chemin jusqu'à la cité blanche. Peut-être connais-tu ces mystérieux dessins? Là, dent de serpent, j'ai suivi le fleuve et... Séperina a trouvé les dents près des chutes du Yari. Fais voir. Mais c'est de l'or. Dents en or à moi. Séperina est très brave pour aller sur le territoire Roku. Roku ennemi des Talina, ils sont très sauvages et très cannibales. Et ils possèdent beaucoup d'or. Mais quoi, de l'or? Est-ce que cette petite fouine serait sur la trace d'un joli magot? Oui, quelque chose comme l'or de l'Eldorado? Vous comptez vraiment nourrir une baleine avec tout ça, ma parole? Une baleine? Non, c'est seulement pour les petits creux de notre capitaine. Moussaillon, sans bateau, il n'y a plus de capitaine. Et cette petite Séperina te sera plus utile que moi pour naviguer dans la Gadoue. T'inquiète pas, petit homme. Je vais conduire le capitaine jusqu'à sa coquille de noix. Il est temps de partir. Et toi, Tanette, tu ne viens pas non plus? Tanette attendra avec ses nouvelles amies le retour du petit homme. Ah, voilà autre chose. Tanette s'est transformée en Amazone. Ouais, si j'ai bien compris, je suis le seul à ne pas me débiner. Tu as tout compris, Opto. Allez, en route. J'ai comme l'impression qu'on nous observe. Les Roukous sont peut-être déjà sur nos traces. Séperina et ses amis arrivent sur leur territoire à présent. Parfait, il n'y a qu'à suivre le guide. Nous arrivons au pont de Liane. Oh, c'est drôlement profond. Attendez, vérifions avant de passer. Quelle horreur! Je ne vous conseille pas de prendre un bain de pied, les amis. Bien, allons-y. Ça n'a pas l'air très solide. Si la passerelle tient le coup, Séperina et les étrangers ont une chance d'arriver en face. Bon. Patience, Barcarin. Chaque chose en son temps. Tiens bon, Octo, on arrive. Encore un pas et on va tous se retrouver en bas. Si quelqu'un a une idée géniale pour me sortir de là, j'achète tout de suite. Dépêchez-vous, je vais lâcher. Attrape Octo. Merci, Titom. J'ai bien cru que les piranhas allaient me prendre pour un amuscule.
J'ai presque pitié. Tout ce mal qu'il se donne pour me conduire gentiment à mon or. Qu'est-ce que c'est que ça? Roku et ses frères. Voilà, nous y sommes. Ici, les grandes chutes du Yari. Le lac sacré est au fond de la vallée. Oh, ça alors, c'est magnifique. Super. Des années que j'attends ce moment. On touche au but, petit. On touche au but. Moi, j'en ai plein les tentacles. On a bien mérité un petit peu de repos. Il n'y a pas de danger. Regardez, ici, Séperina a trouvé les dents de son collier. Bouillon de sauterelle, de l'or. Il est tout en or. Venez voir, un chemin descend vers le lac sacré. Ben, qu'est-ce qu'on attend alors? Allons-y. Soyez prudents, les roucous ne doivent pas être loin.